j'allais sortir et puis je tombe sur ça. Je me dis non, je vous présente encore. Voilà, ça c'est, j'ai envie de dire, un des chéris de mon époux, permettez que je le dise, il aime bien. Donc il ne sera pas dépaysé quand il viendra à Kulamutu. On va vous dire qu'il n'est jamais venu, mais jusque-là il ne veut pas venir, on ne sait pas pourquoi. Vous avez également ça, les pistaches. Ça c'est pour le convaincre. Bah, Kulamutu c'est super. Regardez ce que j'ai découvert également. Et du courant café. En tout cas, franchement, vous n'êtes pas des paysiers en fait. Vous venez, vous n'êtes pas des paysiers, vous avez tout ce qu'il faut pour les enfants. Donc, ben, au lieu d'aller passer les vacances, enfin, je ne suis pas contre ailleurs. Hein. Je veux bien que ceux d'ailleurs viennent visiter le Gabon, mais j'aimerais également que ceux qui sont au Gabon ben, visitent le Gabon. Quoi. Je peux être de l'Ogoué-Lolo et puis je vais visiter le Haut-Ogoué. J'y vais passer mes vacances. Et je peux être de, je sais pas, du moyen Ogoué, je viens visiter l'Ogoué Lolo, je viens passer du temps. Ça peut être la même chose pour contre-jour. Ça peut être la même chose pour l'Ogoué Lolo, aller visiter ailleurs. En fait, c'est juste vous dire que bon, c'est bien de dépenser des centaines de milliers d'argent pour aller visiter ailleurs, mais ce serait pas mal aussi qu'on essaye de faire un peu. Du tourisme national aussi. Je suis pas donneuse de leçons, hein. Mais je me dis tout simplement que ce serait pas mal. Et puis qu'il n'y a pas de, il y a plus d'excuses aujourd'hui en fait. Vous avez des hôtels, vous avez des structures hôtelières qui répondent parfaitement à tous les critères en fait. Donc franchement, on n'a plus de raison, absolument plus de raison de ne plus tout simplement visiter chez nous, découvrir. Bon allez, on va visiter d'autres endroits, d'accord? À tout de suite.